Salut à tous. Voilà, je me suis décidé à refaire une sortie ici. Ça fait un moment que j'ai plus détecté en solo, ni détecté tout court. Voilà, je m'attaque à ce champ que j'ai déjà fait. Bon, je vais me diriger vers là-bas. Il y a une forêt que je vais faire tout à l'heure. Et là, j'ai mon premier son juste au niveau de la pelle. Bon, j'ai changé de pelle pour voir. C'était pas cher. Et donc, on va regarder. Ouais, un indice variable entre 85 et 88. Merde, je sais plus où c'est. Ouais, juste dans ce secteur. Alors, cette pelle, elle est vachement bien parce qu'on peut sortir rapidement des petits trucs, mais il faut se baisser quoi. Et ça, c'est chiant quoi. Voilà. Bon, c'est la terre est gelée, il fait moins 2, un truc du genre. Mais là, j'ai trop envie. Bon, c'est pas sorti. Bon, le son est toujours très beau. Bon, ça va secouer et tout pour un. C'est pour la reprise, le premier trou. Ou alors, c'est un gros ferreux, quoi. Ouais, c'est un peu. C'est un peu merdique et j'ai pas mon pointeur. Ouais, le son est passé dans les 90, ça va être un gros ferreux, genre un fer à bœuf ou autre. Bon, je vais vous reprendre, je creuse. Voilà, c'était ce truc, une sorte de méga gros boulon industriel. Voilà, pas GG, mais on continue. Première trouvaille. Juste après le live qui était par là-bas, bon, j'ai fait une centaine de mètres. Ici, bonne surprise. Bon, c'est un semi-live. Là, j'ai éjecté la motte et j'ai vu apparaître. Je me tourne au soleil. Là, tout ça a l'air d'un gros machin, quoi. Ouais, vu l'épaisseur, ça doit être un décime ou un truc du genre. Waouh! Oh, de Dieu, ouais, je crois que c'est ça. On va frotter un peu. Bon, la terre est gelée, quoi. C'est glacé, le. Je vais pas trop la niquer. Waouh, génial. Deuxième trou. Eh ben, ça fait plaisir. Waouh, le module de fou, quoi. J'hésite entre un décime et une de sol, mais je dirais plutôt un décime. Génial. Ah ben, c'est cool. Première monnaie de cette sortie après, ouais, 10-15 minutes. Ouais, bah, je continue ici, j'ai déjà fait pendant plusieurs années, là j'ai l'autorisation d'un demi du demi-champ quoi. Et ben on va voir. Super, super plaisir. Cool. À tout à l'heure, je vous montrerai la monnaie nettoyée, je vais la laisser sécher et la nettoyer correctement. Allez, à toutes. Voilà, depuis la monnaie qui était par là-bas. J'ai rien trouvé là depuis 10 bonnes minutes, pardon. Et ici dans la motte, on voit la tranche apparaître. Je sais pas si c'est une monnaie. On va voir ça. On va voir ça. Ouah, elle est congelée quoi. Et je sors ce truc. Ah non, c'est pas une monnaie. C'est trop gros pour être une monnaie. C'est un bout quoi, un bout de. Un bout. Voilà. À plus. Trois minutes après, une monnaie qui vient d'être éjectée là. Et à vue d'œil, c'est un phénix vu la taille et. Ah non. Non, non, c'est une machin là, une lagrifoule, une 10 centimes. Ah non, une 10 francs coq, pardon. 10 francs guiraud. Cool. Deuxième monnaie, j'aime bien celle-là, elle ressort bien. Excellent. Ouais, le son était pas, je sais plus, c'était pas fantastique, mais voilà, elle est là. Bien cool, bon plaisir. Encore. Là, je me promène un peu n'importe comment là à travers. Bon, faut que je retourne au véhicule parce que j'ai oublié mes clopes. Et là, je pensais que c'était une cochonnerie en sortant. Elle est là. Bon, c'est pas une monnaie, c'est un truc un peu étrange. Je sais pas si vous le voyez là. Une sorte de. Je vais vous le montrer de plus près de rosace. C'est assez joli comme motif.
une rosace avec deux petites attaches percées aux extrémités. Une là. Ah non, là c'est pas percé de ce côté, c'est un peu replié comme une charnière. Ouais, joli quoi, j'aime bien. C'est assez lourd, ça doit être du bronze. Ah, joli truc. Ah, ou un fermoir de livres, ouais, ça pourrait être ça, ce qui se mettait sur la tranche des livres. Cool, j'aime bien ce genre d'objet, quoi. Voilà, si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je continue, ben c'est agréable, là ça commence à se réchauffer. Il doit faire 0 ou 1 degré. Ah bon, c'est trop bon, j'aime bien cet endroit, c'est vraiment calme. C'est paisible, je vous montre pas tout parce que il y a pas mal de monde qui se promène ici. Ah, voilà, je continue dans le calme et la solitude. Cool pour cet objet. Allez, suivante. Cinq, 6 minutes après, là, en surface, bien cool. Elle est là, je l'ai pas touchée encore. C'est une monnaie et c'est une romaine, sans doute un humus. Je vous montre, on voit les petits persos apparaître. Je vais essayer de faire une mise au point, mais l'appareil il est assez pourri, quoi. Voilà, je dézoome, je vais l'attraper. Oh, oh ouais, c'est une petite romaine. Tout. Ouais, je vois le visage là du petit. Ah ouais, elle est belle, elle a encore pas mal de reste. Génial. Tout, j'adore ça, j'adore ces menées. En plus, elle est belle. Monte derrière, elle a l'air un peu plus abîmée, mais jolie de ce côté. Le profil, on le voit super. Ouais, je vous la montre. Attends, je le tourne. Merde. Le tourner, je vois super mal là. Je vois pas super bien. Voilà, je vous la montre comme ça et je zoome un peu. Ouais, génial. Cool. Et j'espère qu'il y en a d'autres. Je vais rester un peu dans ce secteur. Moi, je voulais aller dans la forêt, mais ça me plaît bien ici. Ok, super cool. Allez, à tout à l'heure. Commence à faire super chaud là. Je suis en train d'aller voir la voiture. Et là, bon, apparemment c'est moderne, elle est là dans le trou. C'est très léger. Ouais, une infra-alu. Cool quand même. Bon, j'ai fait énormément de balles et de douilles, d'ogives, etc. Ouais, une infra-morlon, cool. Elle a un petit pet là sur la tête. Ouais, j'aime bien ces monnaies, même si c'est en alu. Elle se conserve super bien, quoi. Elle est de 1946. Superbe, je l'ai paumé. Crotte de bique. Elle est tombée quelque part. Voilà, bon, je coupe, à toute. Première détection pour un Deus sous la glace. Allez, iceberg. Ah, c'est bon. Depuis 5 minutes et ici dans ce trou plein de boue. Je croyais que c'était d'abord une merdasse, mais en fait il est où? Il est là, c'est un bouton 86e de ligne ou d'infanterie, je sais plus comment on dit. Voilà, il est complet et il est joli. J'aime bien les boutons de ce genre. Je vais en avoir une dizaine, une douzaine. Voilà, cool, je continue. À tout à l'heure. Nouvelle trouvaille ici, bonne surprise. Moi, j'ai déjà vu que c'était une mini monnaie. J'ai gardé le suspense, elle est là. Mini, mini, elle ressemble à une gauloise, mais c'est vert, il y a de la verdure, donc je pense que c'est de nouveau un humus. Bon, elle est minuscule, quoi.
Je découvre avec vous. Oh, ouais, c'est un humus. Par contre, il a l'air bien bouffé, je vais pas trop le frotter. Il est minuscule. Bon, allez, un petit coup quand même. Il faudrait pas, mais j'ai envie de voir. Ouais, c'est bien un humus. Oh, il y a des beaux petits restes là de ce côté-là. Je vois les cheveux et un visage apparaître de l'autre côté. Ça a l'air moins marqué, mais quand même. Wow, super cool! Super cool. Bah, je suis retourné à l'endroit où j'ai trouvé la première. Je me suis dit que qu'il y en a peut-être d'autres. Bah ouais. Coucoule. Voilà. Je vous la montrerai nettoyée. Allez, à tout à l'heure. Avec un sale son, elle a été éjectée à l'instant. Pardon, elle est là. Là, je croyais que c'était un bout de plomb ou un indice, c'était vraiment pourri quoi, pourtant elle était en surface. Ouais, je sais pas, une Napo, une Royale. Ouais, bon, la terre est ultra collante, c'est de la gadoue. Et là, elle est bien encrassée quand même. Bon, je vais attendre, je frotte quand même un peu pour l'identifier. Pardon. Un décime, je vois l'écriture du. Décime, ça doit être 5 ou je sais plus. Moi je vais pas trop la frotter là, la patine commence déjà à se barrer. Cool, encore une monnaie. Moi, je continue dans cette petite zone. À tout à l'heure. Bon bah c'est Noël, juste 5 minutes après le décime. Là, il y a une ligne d'heure, je pense, qui vient d'être éjectée. Non, c'est pas une ligne d'heure, elle est énorme. C'est une État français. Ah ouais, c'est le modèle. Je sais pas si on les appelle ligne d'heure. C'est État français d'un côté là-haut, on voit le texte apparaître. Ouais, j'aime bien, ça change un peu quoi. Bon, de ce côté, elle se barre en couille, mais on voit quand même jolie, jolie monnaie. Eh ben. C'est déjà cool, hein. Je sais pas, ça doit faire 1h30, 2h que je suis sorti. Je suis déjà gâté, quoi. Et j'ai encore de quoi faire. Bon, j'étais là, mais ça continue, donc je reste là. Sinon, je vais peut-être aller dans la forêt, là-bas, au fond. Je sais pas du tout, je continue tant que ça me plaît, là. À toute. Là, je pensais vraiment une petite cochonnerie dans ce trou, 10-15 cm. Et c'est une mini-mini-humus, quoi. Elle est minuscule, quoi. Regardez par rapport à mon doigt. Incroyable. Elle est toute mini quoi. Bon, il n'y a plus grand chose dessus. Marrant quoi qu'ils avaient des monnaies aussi petites à l'époque. Voilà, joli, j'adore ces monnaies, déjà 3 je crois ce matin. Cool, j'adore, même si elles sont bouffées, je kiffe quand même. Autour de la zone du Numus qui était. Il était où? Là-bas, là, vers ce tas de paille là. Là. Donc là, j'ai tourné partout et là, je crois que c'est une méchante surprise. Vu les bords, ça pourrait être du blanc quoi. Oh là 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 là. Alors découvrons ensemble, ouais, ça ressemble à ça quoi. Oh lolo lolo. Oh pouah. Oh magnifique! Oh nom de Dieu, je sais pas ce que c'est. Une féodale. Pololo! On voit les deux écussons là apparaître. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Oh magnifique, magnifique. Oh! Là, je vais la mettre sur mon pantalon. Désolé de vous faire attendre. Il y a du vent en même temps. Voilà, regardez-moi ça quoi. Oh magnifique! Oh, ça va être la monnaie de la sortie, c'est sûr, quoi. Superbe. Alors bon, l'identification, je suis assez nul en monnaie médiévale. Et j'arrive pas bien à lire. Wow, superbe, superbe, quoi. Je vais essayer de trouver la date. Oh là 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 là. Génial. Là, je vous la montre d'un peu plus près. Là, on voit les blasons apparaître. Je vais pas la frotter plus, je vais garder
La patine, elle est superbe, quoi. Oh là là, très usée sur les bords, elle est plus ronde parfaitement. Génial, génial. Eh ben, une magnifique sortie, quoi, magnifique. Voilà, pas grand-chose à dire d'autre. Ça, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Bon, ça fait longtemps que j'avais plus pris autant de plaisir. Génial. Voilà, je continue. Le soleil est toujours là, les trouvailles aussi. Encore. Pouah, celle-là, elle fait mal, quoi. Ah, génial. Génial. Elle sonnait à 67, je crois. Oh là 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 là. Fabuleux. Allez, à tout à l'heure. Dédicace à tous les abonnés. Vous avez, ça fait quelques mois que je détecte plus, enfin que je fais plus de vidéos. Vous avez continué à me suivre, c'est sympa, je continue d'avoir des commentaires et des messages sur les anciennes. Et ben voilà, elle est pour vous celle-là, quoi, c'est mérité. Génial. Oh, génial. Allez, à bientôt. Enfin, à tout à l'heure. Théodale était par là-bas. Et là, bim! Bim, encore un humus! Bah c'est cool hein, la détection. Pouah, le plaisir, ça arrête plus là. Ça arrête plus là, vous pouvez mettre les pouces vers le bas là, parce que c'est pas fini la journée à Hartung quoi. Bon, la blanche, ça va décider tout le monde. Mais le humus là, c'est sympa quoi. C'est le troisième. Je continue ici, punaise, et je suis déjà passé deux, trois fois. Avec looping, j'ai vu les gars du coin détecter dans le secteur. Et ben voilà, ça continue, il y en a encore. Allez, à bientôt. Théodale était par là-bas. Et là, bim. Bim, encore un humus. Bah c'est cool, hein, la détection. Pouah, le plaisir, ça arrête plus là. Ça arrête plus là, vous pouvez mettre les pouces vers le bas là, parce que c'est pas fini la journée à Hartung quoi. Bon, la blanche, ça va décider tout le monde. Mais le humus là, c'est sympa quoi. C'est le troisième. Je continue ici, punaise, et je suis déjà passé deux, trois fois. Avec looping, j'ai vu les gars du coin détecter dans le secteur. Et ben voilà, ça continue, il y en a encore. Allez, à bientôt. Théodale était par là-bas. Et là, bim. Bim, encore un humus. Bah c'est cool, hein, la détection. Pouah, le plaisir, ça arrête plus là. Ça arrête plus là, vous pouvez mettre les pouces vers le bas là, parce que c'est pas fini la journée à Hartung quoi. Bon, la blanche, ça va décider tout le monde. Mais le humus, là, c'est sympa quoi. C'est le troisième. Je continue ici, punaise, et je suis déjà passé deux, trois fois. Avec looping, j'ai vu les gars du coin détecter dans le secteur. Et ben voilà, ça continue, il y en a encore. Allez, à bientôt. Toujours dans la même zone, juste là. Moi, je suis dans le trou là. Enfin, j'en ai plein les bottes. Une monnaie. J'ai déjà frotté, bon, elle est bien concrétionnée. C'est une 10 francs gyro, encore une 10 francs coque. Il y en avait déjà une, pardon, ce matin. Voilà, je m'attarde pas là-dessus. On continue. Voilà, ici, avec un indice très pourri, je croyais que c'était une cochonnerie, mais j'ai creusé quand même. Il est là. C'est un crucifix. On en trouve pas mal de ceux-là ici. Normalement, il y a du bois dans le centre, là, sur le côté. La bélière est encore dessus. Voilà, joli, j'aime bien quand même. C'est des beaux objets. Voilà, à la suivante. Et ça continue dans ce trou, 5 minutes après. Bon, je l'ai déjà identifié, elle est là sur mon gant. C'est un as de Nîmes, un sesterce. Sans doute, qui est coupé en deux, bien sûr. Je veux pas trop la frotter, on devrait distinguer encore quelques petits reliefs. Sympa, j'aime bien ces modules, même coupés en deux, c'est une belle monnaie.
Voilà, bien cool. Bon, je vais aller faire une petite pause et on continue. J'ai hésité à changer d'endroit, mais comme je fais des trouvailles, je vais rester là. Je suis revenu dans la zone qui est un peu plus loin là-bas de des Numus et de la Blanche. Et là, sur la route, je l'ai pas encore vu, mais je sais que c'est un médaillon. J'ai vu la Bélière. Il est dans le secteur là. C'était un sale son. Ouais, il est là. Méga collant la terre, quoi. Ouais, médaille religieuse. Essayer de la décrasser un peu, mais c'est chaud. Ouais, il y a les croix là, la sorte de croix de Lorraine derrière, ou je sais pas quoi. Et recto, la Vierge. Moi, j'aime bien les médailles religieuses. Voilà, bien cool. Encore, continue encore. Alors juste là, bon, il y avait plein de sons différents, j'ai eu beaucoup de mal à identifier la cible, j'ai failli laisser tomber. Il y avait deux, trois petits bouts de ferraille, et dans le lot, il y a ça qui est sorti, bon, j'ai pas frotté. Ça ressemble à une sorte de boucle ou de déco de boucle, c'est creux derrière, enfin, c'est bombé en fait. Et sur le dessus, il y a des dessins, mais je sais pas ce que c'est comme truc. Putain, c'est vachement joli, quoi. Ah ouais. Je me suis dit que c'est un truc récent, mais apparemment non. Cool ce truc à identifier. Je sais pas, ce dessin, il m'intrigue au centre. Là, il y a une petite pointe, et à côté, il y avait la même qui était pétée comme une fermeture de quelque chose. Nice. Ça, c'est joli. Superbe. À identifier, à nettoyer. Il y a du bleu là, il y a un peu de bleu qui ressort, je vais pas frotter. Attends, ça ressemble à un truc de fibule, quoi. Mais bon, on peut rêver. Voilà, bien cool, quoi. Bien cool. Ouais, je vais encore continuer, ça fait déjà, je sais pas quelle heure il est. Quelques heures que je détecte. Il est 3 h, ouais, je suis parti à midi, un truc comme ça, j'ai détecté. Ça fait 3-4 heures. Allez, encore un peu, next. Bon, ça fait un long moment que je tourne sans rien, un peu partout là-dedans. Jusqu'à ce son. Et je crois que c'est une super surprise. J'ai déjà découvert très légèrement sur la tranche. Et ben, c'est la suite du blanc, il me semble. Regardez, c'est là. C'est ultra fin. On va découvrir ensemble ce que c'est. J'espère que c'est ce que je pense, à savoir un denier. Ouais, c'en est un. Ouais, génial. Bon, il est cabossé, il est un peu plié sur les bords. Je vais essayer de vous le nettoyer, enfin d'enlever le plus gros de la terre. Oh, un denier de Strasbourg en argent frappé uniface. Je vais voir si c'est. Ouais, c'est un denier à l'ange. On voit l'ange apparaître. Oh, bah génial. Et ben ça, c'est de la sortie, quoi. Ça faisait longtemps que ça me démangeait. J'ai bien choisi ma journée. Ah, je vois qu'il est percé, le denier. Ah merde. Un peu en mauvais état, mais. Je vais vraiment pas le nettoyer plus, je vous le montre quand même. En gros plan, le voilà. Superbe quoi. Oh là là, un denier. J'adore aussi ces monnaies qui sont de chez nous, près de Strasbourg. Ouais, je suis pas persuadé que ce soit à l'ange du coup, mais à voir. Superbe, génial, génial, génial. Allez, encore une petite demi-heure. À toute. Juste là, une trouvaille assez rigolote. Je pense que c'est un briquet, un vieux briquet, mais j'en suis pas certain. Il y a un petit brûleur là, il doit y avoir la mèche qui sortait là de ce truc. Il doit y avoir une partie qui se fermait ou je sais pas, à voir. J'essaierai de le nettoyer un maximum, mais il est joli, il doit être en alu, tout léger. Cool. Allez, next.
Là, j'ai méchamment galéré pendant 2-3 minutes, mais j'ai trouvé ce petit pendentif. Sans doute dans un truc de chapelet ou je sais pas. Ouais, il est encore, on voit bien les reliefs, il y a la Vierge là de ce côté étoilée. Et là, je sais pas autre chose. Voilà, cool. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends après une longueur. Juste là, j'ai regardé déjà, c'est une boucle, mais elle est très jolie. Avec des motifs gravés autour. Ah, superbe, ça va être une boucle. Je sais pas si c'est de chausse. Sans doute. Joli, super bien travaillé quoi. Je suis pas trop fou des boucles, mais quand elles sont décorées, j'aime bien bel objet. Nettoyée, elle sera belle. Bon, il manque l'ardillon central, mais ça reste un très bel objet. Allez, à toute, encore quelques trouvailles, je pense. Je vais rentrer. Juste 1 mètre plus loin, j'ai trouvé ce petit objet. Ça sonnait vachement bien. Bon, il est percé là en haut. Je sais pas du tout ce que c'est. En bas, c'est un peu plus grand. Il y avait quelque chose enserré dedans. Je sais pas trop. Si vous avez une idée de l'utilité de ce truc. Voilà. Allez, suite. Nouvelle trouvaille. Bon, dans ce trou là, il est derrière moi. Pas très profond. Alors j'hésite, je crois que c'était un décime. Ça ressemble aussi à une gauloise. Bon, elle est complètement bouffée, effacée. Monte derrière, il y a ces deux traits qui apparaissent. Ça me fait quand même penser à une romaine, plus qu'un décime, quoi. Voilà, bon, avec le soleil, on voit pas super bien. Je sais pas trop comment la tourner non plus. Voilà, je sais pas ce que c'est. Bon, on voit la tête de ce gus là, Constantin, ou je sais pas qui c'est quoi. Voilà, identifié. Bon, c'est sans doute une des dernières trouvailles. Je retourne vers la voiture. À toute. Sur le retour en surface, il est juste là, j'y ai pas touché. C'est un bouton d'infanterie plat. Numéro 50, joli. Et encore là, je sens derrière l'attache en croix. Sur ce premier empire, mais je suis pas sûr. Voilà, bel objet. Voilà, bah, s'il n'y a plus rien, je vous dis à bientôt, peut-être. Je sais pas si je vais refaire des vidéos ou pas. Ni voilà, là ça m'a pris, mais on verra. Allez, à plus, bonne chance à vous. Ciao.